Salut à tous les amis, c'est GamingLui et aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Minecraft en survie pour l'épisode je ne sais pas combien. Dans cet épisode on va juste construire un truc de pêche. Donc on va le construire ici. Donc je m'étais mis d'accord parce qu'à chaque fois que je lance ma canne à pêche, j'avais eu des bons trucs. Donc on va réessayer encore une fois. Donc là ça a été un poisson de bloc, je parie. Non, ça va. Alors, après, c'est sûr, il faut que je regarde si jamais c'est chanceux ou pas. Donc là, c'est vraiment que de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture. Bon, c'est de la merde. Bon. Allez, il me lance ta canne à pêche là. S'il abuse comme ça aussi, gros. Des fois, t'attends comme ça très longtemps. Là, je crois que ça fait partie. Bon, c'est la canne à pêche, parce que là, j'ai pas envie non plus d'attendre 10 000 ans. Après, maintenant, je pense que des fois, tu sais, il y a des fois plus de poissons. Bon allez, on commence. Mais nique ta mère, fils de pute, va. C'est casse-couille, nique ta race là. Tiens, crame, PD. Bon, je garde mon tâche. Pardon. Ouais, il faut que je me fasse du bois comme ça, un établi. Établi que je vais placer là. Il n'y a pas de trace. Je me fais des trucs comme ça. Donc, non, la hache elle peut dégager. Enfin, la hache en vrai elle peut dégager. Je sais que je viens de le lire deux fois, c'est bizarre. Hein. Alors, hop. Fais-moi plus de planches. 32 planches là, ça va être pas mal. Wow. Du coup, bon, on va encore en faire, hein. Donc là, on a déjà un ponton. Alors là, j'ai l'impression que c'est pour les bateaux. On est pas d'accord, c'est pour les bateaux là. Bref. Bref. Hop.
Hop, voilà, impec. On peut prendre ça, comme ça. On met un double comme ça. Et on en met un au-dessus, comme ça. Ok, impec. On va faire encore un autre coffre. Ok, impec. Maintenant, je vais pouvoir faire une espèce de cabanon, tu vois. Hop, on en met deux comme ça. Tu vois, donne-moi des putains de planches. Alors, voilà, donc le cabanon, on va le faire comme ça. Ça. On fait des petits sauts. Par ici. T'as deux, deux. Là, je n'en mets pas un. Normal. Oh merde. Paf paf. Impec, tac. On va faire un espèce de. C'est mes dalles en bois. Possible. C'est quoi? On va en mettre un comme ça, comme ça. Attends, il m'en manque un. Et là, tu peux venir pêcher. Bah voilà, en vrai, c'était pas long. C'était rapide, non. Du coup, là je vais essayer de voir si ça marche. Mais avant... Je vais juste aller voir si j'ai encore du verre. Il y a du verre ici, il n'y a pas de verre. Oh oui,
panneau de verre, on prend encore un peu là. C'est cool. Faudra que je vienne récupérer toutes les putains de carottes. Mon cheval il pète un câble littéralement. Du coup, comment ça fait au loin? Parce que je crois que ça fait un truc moche, hein. Genre une cabane, voilà, ça fait une cabane moche. J'hésite à faire un petit toit, mais m'en fous. Alors, non, j'ai pas non plus envie d'utiliser là le bois pour faire ça. Et merde. Donc bien sûr, heureusement, j'ai du bois en masse sur moi, enfin en masse, du bois. Il me faut une pelle et allez voilà. Un bateau. J'avais dit que je voulais me faire un bateau. Donc maintenant il faut une pelle. Voilà, maintenant tu sais comme ça. Mais non, il... Oh, c'est stylé ça par contre. Putain. Du coup. Embarquer. Bref, du coup, je peux placer des... un peu de ressources ici, tu vois, je peux te mentir. Donc un tout petit peu de ressources, hein, on peut mettre tout. Mais là, justement pas. Ah non, par contre là, ça marche. Hein. Oh ouais! Le pire, attends, je me demande si... Regarde, tu vois, là, je me barre en plus, hein, genre c'est génial. Bon, je trouve que le bouclier me nique ma vue, mais bon, c'est pas grave. En plus, tu peux regarder aux alentours. Bon, on va se placer là. On peut sauter. Voilà. Mec, ça marche. Oh l'enculé! Embarque, embarque! Putain d'enculé de ta merde! Elle est où ma base? Putain d'enfoiré! Oh. Eh mais il vient! Putain, c'est quoi? Je saute! Vas-y, viens! Viens ta mère! Viens, je t'encule! Sac de foutre. Putain, ça me casse les couilles, gros. Non, ça, franchement, c'est un truc vraiment nul. Genre, l'autre, il vient t'attaquer alors que t'es en train de pêcher avec tes potes. Imagine, vous avez tous un bateau, trois cannes à pêche, vous devez choper le plus de poissons possible. Les poissons globes, là, les poissons de merde, là, qui servent à rien. À part à t'empoisonner quand tu te bouffes et faire du poison. C'est pas un. Tu vois, c'est pas. Tu sais, si tu perds des points à force d'en avoir, tu vois. Tu mets comme ça tout dans ton coffre et tout, bababa. Et voilà. Mais mec, c'est pas possible au bout d'un moment. Donc ça n'a pas non plus traité sur la pêche tout le long. Oh, une étiquette nomative, c'est cool, je vais pas te mentir. Poisson, voilà, du malus. Bon là on s'en fout parce que tu sais c'est vraiment juste pour bouffer. Voilà, là par contre si jamais ça m'en donne que des trucs comme ça, faudra que je me barre. J'en ai marre. Ça se peut, c'était du diamant, hein. Les trucs en équipement en diamant.
Là, c'est du poisson. Allez. Oh, du nénuphar. Et tu peux le poser comme ça. Putain, j'ai du cuir. Bon, on va commencer déjà à ranger tout. Donc le cuir, les étiquettes normatives, les bottes en cuir, ça. Tout ce qui est saumon et tout, on va garder sur nous. Hein. De toute façon, quand on meurt, on perd rien. Donc c'est cool, tu vois. Donc voilà. Alors. Parce qu'en vrai, mec, quand on y repense, c'est ultra facile à se faire de la bouffe. Hein. Faire des poissons. Tu butes quelques araignées, quelques arbres. Là, tu butes, tu tabasses quelques arbres. Tu prends des. Tu fais des bâtons ou alors tu t'en ramasses. Et hop, c'est bon, c'est parti, hein. Truc de merde. La bolle peut servir, hein. Ça peut servir. Même le truc que je viens de ramasser là. Quoi? Oh, recul et transperceur 3. Ben putain. Ça va pas sur mon épée. En fait, les gars, non, non, vraiment, c'est trop bien. Franchement, le truc de pêche, moi, je me rappelle, je me mettais en haut, genre, je faisais 5 blocs de hauteur, pardon, et je m'entourais, tu sais. M'amusais à faire ça tout le temps. Pêcher, 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 puis un jour, j'ai chopé une épée en diams. Bon, après, c'était grâce à mon truc aussi, hein, il était cheaté. Ma canne à pêche était cheatée. J'ai encore eu un bouquin. Délicatesse, efficacité. Ça va être sur un truc de diams. Je pense dès que j'ai un stack de morue. Donc on va mettre les morues là. Enfin, dès que j'ai un stack de morue, j'arrête. En plus, j'essaye de faire en sorte que les vidéos ne soient pas longues. Alors, c'est sûr, je préfère faire les vidéos que les monter et avoir un monteur comme pratiquement tous les gros youtubeurs. Mais non. Parce que déjà, c'est de l'argent et du travail. Et puis, j'aime bien faire moi-même mes vidéos. Ok, c'est long. Après, tu vois, sur la PlayStation, t'as pas non plus. Tu sais, sur Share Factory, t'as pas non plus de grosses possibilités. Alors, encore un truc. Alors, solidité et infinité 1. Très bien. Très bien, très bien. On va laisser tomber le stack de morue. Hein. C'est quoi si on a ramassé de la chair putréfiée, non? Je sais pas. Moi je vais continuer un peu à pêcher. Vous savez que les gars, moi je pourrais genre juste faire ça dans Minecraft, genre. Je joue, je pêche. Bon, en fait, il y avait une époque, j'avais fait une survie. Dès que j'avais une canne à pêche, c'est bon. Toute la survie, c'était de la canne à pêche, canne à pêche, canne à pêche, canne à pêche.
Bon, après, il y avait aussi le nether, tu vois. Donc, là, je pense dans la vidéo, là, soit on va aller dans le nether, soit je le fais dans une autre vidéo. Mais je ne sais pas. Parce que moi, des fois, dans les vidéos, tu sais, je prends une vidéo, je la coupe en deux, parce qu'il y a un truc où j'ai fait de la pêche. Et l'autre truc où j'ai fait, je sais pas, moi, genre nether, où j'ai déglingué l'Ender Dragon, peu importe. Oh putain, flamme 1, appât 2, frappe 3, contre-courant 2. Chance de la mer 1, 2. En fait, il me faut juste chance de la mer 2, normale ou 1, ou peu importe. Là, je peux pas en placer. Problème avec la nuit, c'est que tu vois pas les bulles en fait qui arrivent. Il y a une mise à jour alors, parce qu'à un moment, moi je les voyais plus du tout les bulles. Je voyais le truc qui descendait en bas, puis il y avait pas de bulles. Oh, est-ce qu'il y a une bulle? Dis-moi qu'il y a des bulles. Rien à faire. En vrai, avec tout ce que j'ai, là, le seul truc que je vais récupérer, c'est les livres. Là, mec, si je me fais un livre avec chance de la mer, je fonce à l'enclume. Bam, sur la canne à pêche, et là, on gâche, je chope des trucs de fou. Ben là, j'ai eu un chance de la mer 2, mais avec des trucs ultra cheatés, tu vois. Donc, flamme 1. Ça, tu vois, j'ai même envie de l'avoir sur. Une épée comme ça, si jamais je vais chercher des animaux et que je les bute, ben, tiens, la viande elle est déjà toute préparée, pas besoin de retourner à la maison faire des trucs. Voilà, donc bien sûr, je serai sur une épée en diam. Ça, alors après, là, on va aller dans le nether, on va aller chercher de la netherite. Non, c'est un arc. Ah, c'est un arc. Oh, une canne à pêche. Alors là, solidité 3. Je sais pas, je veux dire, donne-moi un truc mieux, tu vois. J'ai l'impression, quand tu pêches de nuit, t'as des trucs ultra cheatés. Attends, parce que là normalement, tu vois, il me reste une seule un seul endroit où je peux récupérer des trucs. Oh la vache. Ah mais merde. Allez, donne-moi un livre. Là, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Paf. Là, j'attends que mon dernier truc, c'est là mon dernier truc de slot. Et bah, mon truc d'inventaire, tu vois, dès qu'il y a un truc qui rentre là, j'arrête. J'arrête, je fais mes bails.
Après, si la canne à pêche, je peux utiliser la canne à pêche jusqu'à la casser, bon, enfin, moi aussi. Mais après, si c'est des poissons, genre type nourrit, là, c'est bon. Je pêche que du saumon, là. S'il te plaît. On va trouver cela. Après, il faut pas non plus abuser de l'endroit. Donc, si jamais là, tu vois, je commence à avoir pratiquement plus de poissons, je veux dire, là, t'oublies. Parce que en fait si t'as plus de poisson, bah t'es baisé tu vois, t'as plus rien. Un bol, j'allais me dire oui bon c'est bon, j'ai plus rien. Nanana. Une pièce d'armure, il me faut un pantalon ou en armure. Puis en tout cas si un pantalon qui t'envoie. Mais mec, je vais me faire full mort. En fait moi. Je vais être full morue. Ok, donc là pour l'instant c'est parti pour la full morue. Là, je vais un émo. Il vient mon chat. Mais arrête avec les bols là, non? Merde. Minou. Bon, c'est dingue. C'est vraiment dingue ça. C'est. Bon, encore 4 morues et puis j'arrête. Hein. Et encore 3. 2. Donc, par contre, si c'est que des morues, bah voilà. Mon truc il est conquis. Bon, qu'est-ce que t'as? Je chope les dernières morues, non? C'est quoi ce que je suis là en montrant? Je ne sais pas. Le jour est en train de se lever. Je crois que j'ai pêché toute la nuit. Ouais. Après, oui, il y a des trucs que j'ai trouvés. Bon, bon, bon. Chance de la mer 3, frérot. Oh. Oh, comment je me mets bien. Alors oui, là, je range un peu tout. La chair putréfiée, on s'en fout, ça. Tac, on peut mettre là. J'ai des fils, des arcs, des bols, tout ce qui est livre, on va les mettre là au final. Canne à pêche, on va la garder, on va même la mettre là. Avec elle. Et là, chance de la mer. Raccommodage, normalement, c'est elle se répare toute seule. Donc, quand t'as raccommodage. Mec, comment ça va? Vite! Pire, c'est quoi si je vois qu'elle commence à se casser, je fais niquer d'autres cannes à pêche, tu vois.
Genre la canne à pêche que j'utilise depuis tout à l'heure. Dans le truc. Non, parce que là, on n'est pas surcheaté non plus, mais. Ça va. Ah oui, pour ceux qui se demandent, quand les deux coffres là seront pleins, je pense que je ferai genre un trou avec pas des escaliers, des échelles. Je vais faire des pièces comme dans la base, mais genre vraiment à côté du machin. Où il y aura là les coffres, vraiment, ce sera la pièce au coffre, mais juste pour la pêche. Avec une pièce aux enclumes. Donc là, je vais sûrement placer une enclume ici, tu vois. On va mettre un bloc, puis une enclume. Bon. Non, elle est en train de se réparer, frérot. Là, mon gars, par contre, je peux te le dire, on peut rester là pendant longtemps. Non. Parce que quand c'est raccommodage, frérot. Oh. Non, je crois qu'elle casse jamais. Je veux dire, quand t'as raccommodage, je crois que ça casse jamais. Un pec. En vrai, je pense que je vais me faire une table d'enchantement. Une table d'enchantement, genre, tu sais, sous la coquillage. Je crois que les coquillages, ils servent à quelque chose. Je crois que ça permet de faire un truc cheaté. Raccommodage, bah putain, mec. Donc là, c'est temps orageux. Donc, soit t'as de la chance, parce que maintenant c'est totalement aléatoire. Soit t'as vraiment de la chance et tu peux tomber sur des trucs ultra cheatés, ou v'là les poissons. Donc là, je crois que c'est v'là les poissons. Vieille saloperie, viens là, toi. Fais la maline. Alors, malédiction de disparition, je crois que c'est quand tu meurs, le truc il casse, quoi. Il a dit. J'espère. Je me rappelle la dernière fois, j'avais pêché un trident. En plus, là, mec, il y a moyen. Chance de mer 3, solidité 3, raccommodage 1. Cheaté. Malédiction de disparition, c'est le seul truc qui fait chier. Sinon, ce serait cheaté. Tu sais, j'allais me dire, je peux faire un truc comme ça, mais ouais, non, on va laisser tomber. Il faut que je regarde tous les poissons que j'ai, gros. Pas que d'un coup, j'ai là les poissons, et puis voilà quoi. Oh, j'ai un snack. Une petite bombatine. Ah non, en vrai, tu peux tellement pêcher. Par contre, des orages, ça fait flipper.
J'ai cru que c'était en train de brûler, frère. Bien sûr, comment je serais deg? Normalement, comment je serais deg? Ouais, j'ai oublié de le replacer, putain! Bon, au-dessus d'abord. De Nautil. Alors. Tac, tac, tac. Tac, tac. La chair putrifiée, j'ai dit qu'on s'en foutait. Du coup, qu'est-ce qu'on peut placer? Les bottes. Les bottes, on peut placer quoi d'autre? Bah, c'est tout. Maintenant, il y a l'arc. L'arc. Les canapés, je les garde sur moi parce que j'arrive à faire de la pêche aujourd'hui. Mais voilà. Ouais. Donc là c'est parti pour faire cuire déjà la bouffe, tous les poissons que j'ai ramenés. Je crois que le poisson tropical il peut pas. Il peut pas. Il y a tellement un coup de tonnerre qui va tomber sur ma baraque, elle va brûler. Mais tellement. Mais par contre, si c'est le cas, mec, je dois refaire tout le toit. Voilà, c'est quoi? Bon, du coup. Paf. C'est quoi le machin là? Du coup, ouais, mon truc de. Bah, à base, je voulais faire un beau truc, tu vois. Mais. Après, je suis pas bon non plus pour faire des trucs magnifiques aussi. En vrai, pourquoi je mets pas un deuxième. J'ai pas de pierre. Oh là là! J'ai pas de me faire chier avec la pierre en plus. Donc, je vais laisser tomber, je me connais. Par contre, ce que je peux faire, pardon, c'est là, c'est des tapis. Tu vois, genre là, des tapis, paf, paf. Alors, on va juste mettre, oui, j'ai dit que j'allais pas les mettre dans le coffre, mais tapis. T'as bien le chien. Donc là, je vais aller me chercher des fleurs, en fait, des fleurs rouges. Des roses, des coquelicots, pardon. Ça marche. Teinte bleue. De la laine bleue. Attends, pour faire les tapis bleus, il faut de la laine bleue. Mais non, il faut que j'aille me refaire de la laine, du coup. Il faut que je bouge surtout. Voilà. Cuit, pardon. Alors, bon, je vais juste aller buter un peu de moutons, je vais pas se mentir. Du coup, de la laine bleue, voilà. Putain, c'est ça. Oh non, mais mec, c'est pas possible. J'ai pas de pelle, hein. Bref. Ah, il me faut encore des feux. Bon, ouais, le gars, ce coup, on va laisser tomber le tapis. Hein. Les tapis colorés, gros, vas-y, laisse tomber. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long à faire. Mais je crois que j'ai déjà des. Alors il faut que je fasse ça. Ensuite ça. Là. Hop, des tapis bleus. Puis...
En vrai, j'hésite à faire un drapeau de France. Ah mais putain, mais je suis con, j'ai fait un truc en damier. On va laisser tomber les tapis alors. Au pire, tu sais quoi le tapis? On peut aller le mettre dans. Ouais, je sais bon, si on va mettre du tapis. Laisser tomber les tapis, hein. On va laisser tomber. On va pas laisser tomber les tapis du tout. Genre là, on peut en mettre. Ça va. J'avais normalement des fleurs ici. Je me dis pas que j'ai pas de fleurs. Ça, c'est caca. Pas possible. À ce point-là, c'est du foutage de gueule. Merde. J'ai mal à la gorge, gros. Affreux. C'est moyen d'enculer là-dedans. Je bouffe. Oui, ça sert à rien pour ce truc. Dès que t'en as un, tout le monde dit oh, j'ai eu un émo. Mais en vrai, on s'en bat les couilles. Bon, vas-y, j'ai pas de. Il me faut des feuilles pour rouge maintenant. Impec. Paris. En fait, je sais pas si les trucs là, les rosiers là, je peux faire du colorant avec. Bon. Ah, moi, en vrai, je prends de la poudre d'os et puis c'est bon. Le pire c'est que c'est vraiment juste pour me faire un drapeau de la France. C'est quoi, c'est de la bouffe? On prend. Ah ben il y en a là-bas! Yes! C'est quoi, tulipe? Tulipe rouge. Normalement, c'est 3 qu'il faut. En tout cas, je vais en faire 4. Au cas où. Du coup, là, il me faut de la laine rouge. Voilà, c'est bon, avec. En fait, non, lui, alors, comme je l'ai en trop. On fait de la brique. Je sais pas. Putain. Alors dégomme, on dégomme, on dégomme. Allez. Normalement, il m'a donné un truc que je m'en fous totalement. Alors, il m'a donné. Ouais, il m'a mis bien. Alors, donc là, c'est parti. On peut retourner où on était avant. Ah oui, donc là c'est bon, ça finit de. Voilà, la morue a fini de me cuire. Donc là j'ai le bleu, le blanc. Oh non, on n'a plus qu'à placer le rouge et puis c'est bon, on a fini. Donc maintenant tu as la place de faire directement la laine, tac tac tac, tu vois, ben, au moins je sais comment faire. Bon. Donc bleu, blanc et le rouge. Donc voilà, on a le petit drapeau de France. C'est beau. Du coup, bam, on peut faire ça comme ça. Le lingot d'or, on s'en branle.
Pour l'instant, en lingot d'or, on peut placer le. Voilà. Là, on peut placer le lingot d'or, la laine, les tapis, la tulipe. Puis c'est tout pour l'instant. Pour le moment. Comme là, j'ai de la place en masse. Et bon, 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 bon. Arrêtez de me jeter des fleurs. Par contre, les patates empoisonnées qui viennent me niquer le truc là, donc ça c'est chiant. La petite pataterie. Ce mec, en vrai, gros, un mec qui a faim, gros, je lui dis, lui, est-ce que je peux prendre des patates? Je lui dis, vas-y, hein, fais plaisir. S'il me prend tout, bon, je le bute quand même, tu vois, mais voilà, quoi. Mon gars, toi, si t'as faim, moi, là, je te fais un truc de patates, et puis hop, tu vois. T'es refait, hein. Alors, tac, 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 paf, 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 paf. Bon, il me reste encore un petit peu de trucs à faire. Hein. J'allais dire que je voulais le faire encore plus grand. C'est juste dingue. Donc là on récupère toutes les patates. Pour cuire les patates, il faut que les patates cuites. C'est en gros ce qui ralasse le plus au niveau de la bouffe. Bouffer des patates comme ça c'est inutile, je vais pas te mentir. Bon, j'ai quand même fait 8 patates empoisonnées, donc on s'en fout. Donc voilà. Donc si quelqu'un veut des patates empoisonnées, ben bien. Ce sera mon kit de rupture. Alors un truc que j'aimerais bien qu'ils rajoutent en fait dans Minecraft, c'est quand tu mets les patates empoisonnées dans le compost. Ben, que ça accède, ben, tu peux les mettre en fait, parce que je ne peux pas les mettre. Là. Et ce serait bien d'un côté où, ben, à la place de les jeter ou les faire brûler dans la lave ou les jeter dans l'eau, peu importe, tu vois, ben, moi tu peux ramasser. Ben, parce que là, tu vois, je veux dire, j'ai les patates empoisonnées, je vais en faire quoi avec? J'ai pas d'alambic, je peux rien faire, je peux les mettre dans un alambic. Ça se peut, tu dois juste les jeter, tu sais.
Bon, est-ce que j'ai une houe sur moi? J'ai une houe sur moi, donc ça c'est cool. Donc là maintenant je vais pouvoir faire tac-tac. C'est pas fini, il y en a encore un peu là. Hop, pam, pam, pam. Et on peut faire cuire déjà les patates. Donc là, les patates empoisonnées, je vais vous prouver qu'on pourra les mettre dedans. Tu vois, juste la manger. Mais je veux dire, ça on s'en fout, tu vois. En plus, tu peux pas la faire cuire, tu vois. Aïe. Je brûle. Allez. Eh, c'est bon, au bout d'un moment, j'ai compris. Je vais mourir. Alors, au fourneau, patates. Ah, mais non, je suis con. Pardon. Du coup, je disais patate, patate, patate. Eux, on va faire un moitié-moitié patate. Voilà. Donc là, une petite patate cuite pour bouffer, c'est pas mal. Voilà. Est-ce que là-dedans j'ai des patates empoisonnées? Peu importe. J'ai des patates normales, donc on va aller les faire cuire comme ça, on va les les pètes. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais putain! Ouais, je vais pas te mentir, là on est en train de faire vraiment cuire des patates. Donc patates, patates, patates. Je prends toutes les patates que j'ai. Hein. Donc là, tu vois, j'ai pas de patates. J'ai des patates empoisonnées, mais ça, on s'en branle total. Des patates, il n'y en a plus ici, donc tant pis. Ah non, ça donne que deux, bon. Je croyais que ça donnait plus. Bon bref, du coup, je vais vous faire explorer tout ce qu'il y a eu de nouveau. Alors, tout ce qu'il y a eu de nouveau, bien grand mot, mais... Merde, c'est pas par là, je crois. Bon, c'est pas par là. Donc là, c'est tout ce qui est mine. Alors là, tu vois, c'est un endroit souterrain. C'est une mine sous-marine, pardon. Du coup, voilà. Là, c'est la grotte que j'ai réussi à faire atteindre. Ah non. Ah, c'est une grotte que j'ai commencé, que j'ai pas eu le temps de finir. Ouais. Alors, bien sûr, je vais pas. Ok, donc. Ah oui, non, c'était là, pardon. Par contre, il y a des putains de marchandeurs là. Des enculés qui viennent de marchander avec leur lama de merde. Et bah, il y en a un, ça me dérange. C'est comme si moi je serais dans une mine, d'un coup, tu sais, il y a un. Je sais pas. Pour les zombies, tu me diras, c'est normal. Mais imagine le roi, dans les mines, tu te fais attaquer par v'là les zombies et tout. C'est. Oh, il y a des trucs en bas là. Il y a même des trucs ici, gros. Bon. Bref, du coup, là, tu vois, après, tu tournes. Là, tu continues. Tu vois, tu continues tout droit. Là, déjà, j'appelle ça moi, tu vois, pour le contrôle. Ouais, j'ai du bois, du tout par milliers, frérot. Malheureusement, je n'ai pas de. Comme ça me fait au moins un coffre en un coffre. Bon, allez, on va pas faire le crevard. On va casser de la pierre. Là, on casse un peu de pierre. Là, tac, 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 tac. Voilà, bah, le pire, c'est que j'ai pile assez de pierre. Donc voilà, on va pas se mentir, hop. Tac, voilà, et
Putain d'enculé de ta mère. Pas du tout ce que je voulais faire. Bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh, un peu de fer. Impec. Bon, maintenant on peut remonter en haut. Donc voilà. Bon, ça va être long. Courir quand même, tu vois. Bon après si tu descends, donc là c'est vraiment l'escalier qui descend jusque tout en bas. Ouais là tu descends tout en bas. Donc là tu vois t'as vraiment genre tout. Là si tu veux avoir de la pierre tu vois. Pas mentir en plus c'est ce que je veux. Ça du coup donc ah ouais non j'allais me dire j'ai fait une connerie mais non parce qu'il y avait de l'eau en masse donc ça, je me suis pas fait chier et j'ai juste fait un escalier qui monte. Ah bah tiens trois fourneaux que je peux faire donc tant mieux. En vrai, mec, je me demande si on les placerait pas genre 3 comme ça. Attends, est-ce que j'ai du. J'ai du charbon là, mais. On va laisser tomber. Du coup, ben, du coup, on va les. Est-ce que j'ai du bois sur moi? J'ai du bois sur moi. Normalement, j'ai du charbon. Moi, j'ai du fil. Ouais, il faut que j'aille chercher mes carottes là. Donc, on va les faire. Alors, là, il en a plus que 6 à faire. Comme ça. Donc là, on va faire du charbon de patate. Je peux pas le nourrir en patate. Du coup, les fourneaux que j'ai en trop, je vais me les mettre dans le. Tac, putain, vite. Donc là, le charbon que j'ai là, je vais mettre des peut-être. Allez, plus que un. Après, je me dis peut-être. Oh, tais-toi, le chien. Paf. Ah, mais j'ai. Ah non, ouais, j'allais me dire, c'est une houe. La houe, elle peut dégager. Ouais! Arrive!